Le bon, ce n'est pas l'homme qui entre dans votre vie au bon moment. Mais le bon, c'est vraiment autre chose. Est-ce que vous croyez à l'âme sœur? Honnêtement, je ne suis pas sûre de pouvoir dire avec certitude que j'y crois. D'ailleurs, je ne crois pas non plus aux flammes jumelles. Ces concepts me semblent trop figés. On nous fait miroiter cette histoire mythique où on est censé trouver notre autre. L'autre partie de notre âme ou une âme qui complète la nôtre. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour me compléter. Je n'ai pas besoin d'une personne pour avoir de l'équilibre et de l'harmonie dans ma vie. En revanche, je crois qu'il y a bel et bien un homme, que l'on peut appeler « le bon », qui nous correspond parfaitement. Quelqu'un dont le passé est un parallèle par rapport au nôtre. Un homme dont le futur est en parfaite compatibilité avec le nôtre. Et surtout quelqu'un dont le présent se marie avec la vie que l'on mène. Il n'y a pas de rencontrer l'âme sœur au bon moment ou reconnaître au premier regard. Il y a tout simplement deux personnes qui se trouvent et qui grandissent ensemble. Personne n'est censé être le professeur de l'autre et personne n'est là pour donner des lignes directrices existentielles à notre vie. On peut se débrouiller toute seule, merci. Mais le bon, c'est vraiment autre chose. Votre partenaire idéal est cet homme qui va être présent à vos côtés lorsque vous réussissez. Quand vous avez une promotion, lorsque vous réalisez votre rêve ou êtes tout simplement heureuse. Le bon, c'est aussi quelqu'un qui ne fuit pas quand vous avez un problème. Lorsque vous êtes triste, il est là. Quand vous êtes déprimé ou brisé de l'intérieur, il vous aide à ramasser les morceaux de votre corps ou de votre esprit. Votre homme idéal connaît toutes vos habitudes agaçantes et vous accepte et vous aime, malgré tout. Ou peut-être même qu'il vous aime encore plus grâce à elle. Il sait ce que vous aimez, même les choses dont vous n'êtes pas très fier. Vous aimez regarder plus belle la vie? Eh bien, il regarde avec vous. Et il ne se moque jamais de votre passion ardente pour les couples de la série. Cet homme vous soutient et vous encourage même à exprimer toutes vos émotions, même si elles vous semblent banales ou exagérées. Pour lui, il est important que vous vous sentiez à l'aise et en confiance. Cet homme vous appelle même au milieu de votre journée de travail parce qu'il a simplement envie d'entendre votre voix. Et après une longue journée, il ne manque jamais de vous envoyer un message doux. Même s'il est épuisé. Même s'il est stressé. Vous restez sa priorité. Et chose très importante, votre partenaire idéal apporte de la valeur ajoutée à votre vie. En effet, il vous encourage à utiliser tout votre potentiel et il vous inspire à devenir meilleur. Les jours où vous pensez que vous n'êtes pas digne ou que vous n'avez pas la force de vous montrer au monde, votre chéri vous rappelle à quel point vous êtes forte et combien lui et le reste du monde ont besoin de vous. Le bon, ce n'est pas l'homme qui entre dans votre vie au bon moment. Ce n'est pas celui que vous allez rater si vous n'êtes pas la personne que vous êtes censé être. Non. C'est l'homme qui vous accepte tel que vous êtes au moment précis où il vous rencontre. Avec lui, vous n'êtes pas censé devenir meilleure ou différente. La vérité, c'est qu'ensemble, vous allez vraiment grandir. Mais comme vous auriez grandi avec n'importe quelle autre personne. Des fois, on apprend beaucoup de choses en étant dans une relation toxique, par exemple. Le bon, est simplement celui qui vous fait comprendre que vous êtes parfaite dans votre imperfection. Que vous ne devez pas changer car, pour lui, vous êtes exactement celle que vous êtes censée être. Oui, avec lui, vous allez évoluer. Mais ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce à vous. Vous voyez quand vous avez une personne, à vos côtés, qui vous trouve parfaite comme vous êtes, vous avez envie de lui faire honneur. Vous avez envie de lui montrer que vous pouvez être encore meilleur. Mais ce désir vient de vous. Cette volonté de travailler sur votre développement personnel vient de vous. Ne laissez donc jamais personne vous dire que vous avez besoin d'un homme pour être heureuse ou épanouie. Seul, vous êtes génial. À deux,
Vous êtes extraordinaire, le bon, ce n'est pas la rencontre miracle qui va vous faire devenir la femme que vous avez toujours voulu être. C'est simplement la rencontre qui va vous ouvrir les yeux sur tout votre potentiel. Ensemble, vous allez changer. Vous allez adopter les habitudes de l'autre. Vous allez trouver des mécanismes de fonctionnement qui vous sont propres. Et vous allez trouver un langage de l'amour que seuls vous deux comprenez. C'est là que se cache la richesse de cette merveilleuse relation amoureuse. Dans les yeux de l'autre, vous découvrez qui vous êtes. Mais ce n'est pas lui qui vous aide à devenir la personne que vous avez toujours voulu être. C'est bel et bien vous. N'écoutez donc pas les gens vous dire « Quand tu rencontreras ton âme sœur, tu le sauras ». Tout cela, ce n'est que du pipeau. La vérité, c'est que le bon s'infiltrera dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte. D'ailleurs, vous le connaissez peut-être déjà. Ouvrez simplement votre cœur à l'amour. Et ouvrez les yeux, car c'est dans vos pires moments que votre homme idéal fera son apparition. Il se tiendra fermement sur ses deux pieds et vous regardera droit dans les yeux. Puis, il vous dira « Je veux être à tes côtés ». Et là, vous comprendrez que « le bon » était là depuis longtemps. Car cet homme sera le reflet exact de l'énergie que vous dégagez.